en première année du baccalauréat. D'abord, nous avons ici quelques traductions. Je commence par les traductions et après, je vais au texte, à l'explication de la leçon. Point de vue, choix, préférence, s'évader, réussir socialement, les jeux du hasard, la loterie. Plan simple, plan concessif, plan dialectique. Évidemment, pour produire un texte argumentatif, on doit choisir un plan. Il y en a plusieurs plans. Nous allons commencer par le plan simple, puis le plan concessif, après le plan dialectique. Mais nous allons aborder d'autres plans comme le plan thématique, le plan analytique. Très bien. Donc, il y a une question, ici je pose une question très importante. À propos de quoi ou bien de qui vous êtes censé donner votre point de vue? Donc, lors de l'examen régional, on vous demande d'exprimer votre point de vue, de donner un point de vue, une opinion à propos de quoi exactement? Un choix, par exemple, ou bien une préférence. Nous avons ici quelques exemples. 1. D'aucuns choisissent de meubler leurs vacances par la lecture. D'après eux, cet acte leur permet de s'évader et de passer des moments agréables. En vous justifiant, dites si vous êtes pour ou contre ce choix. Donc ici, vous remarquez le mot choix. Donc il s'agit bel et bien d'un choix. D'accord, on passe à notre exemple. 2. Pour réussir socialement, certaines personnes choisissent le travail, d'autres au contraire préfèrent les jeux de hasard ou d'argent, comme les jeux de cartes, la loterie, le loto, le poker, le tiercé, ainsi de suite. À qui donneriez-vous raison? À qui donneriez-vous raison? Justifiez votre choix en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents et bien précis. Donc ici, nous avons le verbe préfère. Hein, le verbe conjugué, le verbe préférer, préfère. D'accord? Il s'agit ici d'une préférence. D'accord? Bien. Donc vous êtes censé donner votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette préférence, contre ou pour ce choix? On passe. Nous avons ici d'autres traductions. Manquer de respect, décider. Nier, éducateur, danger, menace, dissuader, solidarité, citoyen, illettré, inculte, soumis, se développer. D'accord? On vous demande d'exprimer un point de vue à propos d'un autre point de vue. Donc, d'accord? Donc, exprimer une opinion à propos d'un point de vue. On dit point de vue ou bien thèse, idée, opinion, avis, pensée, jugement, etc. Bien. Nous avons ici quelques exemples. L'exemple numéro 1. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Quand je parle ici du manque du respect, du manque de respect, c'est un. D'accord? Désolé, je termine la lecture du sujet. Partagez-vous cette opinion, développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. D'accord. Donc ici, il y a les guillemets, ça veut dire c'est un dire. Quelqu'un a dit, les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes, ils pensent avoir toujours raison. Donc là, il s'agit d'un point de vue, n'est-ce pas? D'une idée, d'une opinion, avis, pensée, hein? D'accord. Vous êtes appelé à exprimer votre point de vue à propos de cette opinion. Exemple numéro 2. Il est temps, vous remarquez les guillemets, donc il s'agit d'un point de vue. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Nous avons ici le verbe introducteur déclare,
Alors, il s'agit d'une thèse, d'une idée. D'accord? La question, partagez-vous cette idée? On passe. Un troisième exemple. Personne ne peut nier l'importance de l'Internet dans la vie de chacun de nous. Pourtant, certains parents et éducateurs le considèrent comme un danger qui menace notre société. Faut-il donc dissuader les gens de l'utiliser ou les y encourager? D'accord? Donc je relis. D'accord? Personne ne peut nier l'importance de l'Internet dans la vie de chacun de nous. Pourtant, certains parents et éducateurs le considèrent comme un danger qui menace notre société. Donc ici, je souligne le verbe considérer. Considérer, c'est prendre pour, c'est dire, affirmer, avancer que, etc. Donc il s'agit là également d'un point de vue. La question, faut-il donc dissuader les gens de l'utiliser ou les y encourager? Bien. Exemple numéro 4. Dans un reportage télévisé sur la solidarité, un citoyen dit: je n'aide jamais les pauvres. Remarquez les guillemets. Donc, c'est une idée, c'est un point de vue. Vous rédigez un écrit argumenté dans lequel vous dites si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen. Vous appuyez votre point de vue par des arguments précis. L'exemple, je crois que c'est le dernier exemple. Dans la boîte à merveilles, ici on peut mettre le M majuscule. Toutes les femmes sont illettrées. Revenez aux traductions pour savoir qu'est-ce que ça veut dire illettrée, inculte et soumise. Vous devez à chaque fois revenir aux traductions en arabe que je viens de donner. À votre avis, une société peut-elle se développer sans l'émancipation de la femme? Bien, on passe. D'autres traductions? Entourage, trembler, faire peur, éduquer, choisir, se marier, polygamie, conception, sentiment, définition. D'accord. Un autre centre d'intérêt, comportement, attitude, manière de faire. Donc, peut-être on vous demande de donner votre point de vue à propos, non pas d'un point de vue, mais d'un comportement. D'accord? Alors, exemple numéro 1. Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leurs parents. Voilà. Donc ici, voilà la question. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer? Quand je dis faire peur, alors il s'agit d'un comportement. Rédigez un texte argumentatif pour développer votre point de vue. Exemple numéro 2. Certains parents choisissent tout à la place de leur fille et de leur fils. Vêtements, amis, études, etc. Donc, le fait de choisir quelque chose ou bien quelqu'un, il s'agit bel et bien d'un comportement, d'une attitude, d'une manière de faire. Qu'en pensez-vous? Voilà. On passe. Exemple numéro 3. De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement? Donc, il s'agit là de la polygamie. Polygamie, c'est le fait de se marier avec plusieurs femmes. Deux, trois ou bien quatre. D'accord? Là, c'est un comportement. Vrai, parfois, écoutez, parfois, les frontières entre le choix et le comportement sont un peu floues. Mais bon, la question, partagez-vous ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié par des arguments précis. Ici, nous avons d'autres centres d'intérêt à propos desquels vous êtes invité, vous serez invité à exprimer votre point de vue. Bien, par exemple, la conception, le sentiment, la définition et enfin un personnage. Bien, la conception, ça veut dire la façon de voir. Par exemple, la question, certains conçoivent le bonheur comme, etc., etc.
D'accord. Le sentiment, par exemple, on vous demande votre point de vue à propos d'un sentiment, le sentiment de l'amour, le sentiment de la haine, de la jalousie, de l'envie, etc., etc., de l'empathie, de l'altruisme, ainsi de suite. Les définitions, par exemple, certaines définissent le courage en tant que, etc., etc. Là, on vous demande votre point de vue à propos d'une définition. Ou bien, on vous demande votre point de vue à propos d'un personnage. Par exemple, on vous dira quel est votre point de vue à propos du personnage de Sidi Mohamed, ou bien du personnage de Crayon, ou bien du personnage d'Antigone. D'accord. Voilà, mes amis, pour cette séance. Au revoir à la séance prochaine.